Voilà, j'ai un chat roux. Je me rappelle pas si je l'avais déjà vu, celui-là. Je crois pas. Ça doit donc faire le quatrième chat. Il était auprès de moi, là, quand je mettais les graines pour oiseaux. Il est tout près de la touffe de ce qu'il faut que j'enlève, là. C'est du trèfle, là. Voilà. J'ai pratiquement éradiqué tout le trèfle sur cette parcelle. Il reste quelques points que je nettoierai. Voilà. Ouais, il est sympa, il a miaulé. Là. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Il a un collier, donc il a un foyer. Il doit être assez jeune parce qu'il a l'air assez joueur avec les insectes qui sautent là. Ouais. Il y a des lézards, il y a tout, hein. Il y a des criquets, il y a des. Ouais. C'est un jeune matou. Il va aller voir sous la. C'est pas de l'atoll ondulé, mais. Il y a une bestiole là-dessous qui a foutu le camp. Genre lézard. Parce qu'il y a plein de lézards. Hier, j'en ai vu deux côte à côte, là, dans le casotte. Il y en avait un autre qui grimpait à un arbre un peu plus loin. Il y a peut-être des musaraignes. Est-ce qu'il y en a eu sur cette terrasse ? Des grillons. Il y a des grillons. Il va carrément aller sous la toile. Très drôle. Et il a disparu sous la tôle, qui n'est pas une tôle, c'est de la fibre de verre. Où va-t-il ressortir? Et voilà, il ressort de l'autre côté.
crois, le mouvement de la queue, et c'est saccadé. Il y a dû voir un lézard sur le casotte là. Voilà le nouveau mimite, c'est le charou. Le charou. Allez, il s'en va. Direction les ânes de chez Alex. Voilà. Donc j'ai mal déclenché la séquence qui était la suivante. Quand je suis arrivé ici pour déguster mon vieux rhum Clément Ambré, le charou était sous la chaise longue, et puis il est allé boire au point d'eau ici, et puis il est descendu, et puis il a capturé un insecte là-dessous, et puis il est reparti, et puis là il va dans les bois là-bas, voilà. Donc j'ai mal déclenché la séquence qui était intéressante, tant pis. Voilà, à votre santé. À votre santé, je vais faire un plan correct avec une mise au point là-dessus, sur ce petit rhum Clément Ambré. Bonne santé à vous tous. Il a vu un criquet là qui a sauté. Il a fait un bond d'un mètre en l'air et il a cavalé après le criquet en tournant. C'est incroyable les pirouettes qu'il a faites. Alors c'est un jeune chat qui découvre ce qu'il y a dans la nature, donc tous les insectes, dont ce criquet là qui lui a fait faire un bond phénoménal d'un seul coup, extraordinaire. Il est magnifique ce chat. Même chose, il a fait un bond sur un criquet qui a sauté. Oh là là, c'est super ça. Dommage qu'il y ait les arbres devant. Voilà, il s'amuse comme un fou là, avec les insectes qu'il découvre. Hop. Voilà, quel chasseur. Quel chasseur. Alors bien évidemment, lorsqu'il était sous la chaise longue, il n'y avait pas un seul oiseau à la mangeoire. Ah, s'il pouvait me débarrasser de tous les criquets des terrasses là qui me bouffent les haricots verts, ce serait génial. Il faudrait qu'ils viennent tous les jours les chasser.
C'est un félin. Félis, félis. Et voilà, il est parti. J'avais laissé mon appareil près de la chaise longue et j'allais voir le niveau de l'eau dans la cuve lorsqu'en descendant ici, je suis tombé ici, là. Là, sur une superbe couleuvre au soleil, donc qui s'est réfugié là-dessous. Alors je sais pas si elle est rentrée dans le tuyau ou si elle s'est mise un petit peu plus loin là. Voilà, mais elle était magnifique, hein. Un mètre vingt. 1m50, hein, parce qu'elle était toute en zigzag. Alors, elle est peut-être là-dessous. Elle est peut-être là-dessous. Je pense pas qu'elle soit rentrée dans le tuyau. Elle est passée là-dessous. Bon, ben, voilà, hein. La bêtise de n'avoir pas pris mon appareil photo avec moi. Parce que là, j'aurais fait 3-4 images superbes. Ouais, c'est comme ça. C'est peut-être là son repère. Enfin, toujours est-il que je la reverrai certainement sur ce terrain. Bien dommage, bien dommage, bien dommage. Bon, on va voir le niveau de la cuve, hein, que j'alimente par le canal. Gloub, gloub. On entend le gloub, gloub. C'est presque plein, ouais, voilà. Le tuyau a été sectionné à la débroussailleuse par les voisins là qui cultivent. Donc j'ai fait un cheminement différent pour que ça puisse alimenter. Il y a de la ronce là, on se prend les pieds dans les ronces. Voilà. Je vais laisser couler un petit peu et puis je couperai. Ce qui serait bien là, c'est de nettoyer tout le lierre de ce casotte parce que ça envahit tout, ça soulève les tuiles, ça fait des dégâts, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui disent que le lierre tient les murs, eh ben, le lierre il fait tomber les murs parce qu'il s'infiltre entre les pierres, il fait 5 mm et puis au bout de 6 mois il fait 2 cm. Au bout d'un an, il fait 5 cm, hein, et tout pète, tout pète, tout pète, tout pète. Voilà. Je n'avais pas fait attention, mais sur ce sillon de fève du 15 novembre 2020, où il y a eu du gel, je me demande si ce ne sont pas des graines qui ont survécu
et qui viennent de sortir ces jours-ci. J'avais pas fait attention du tout. Là, je pense que ce sont des fèves. Des fèves. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 graines qui ont survécu au gel et qui produisent aujourd'hui. Je vais les arroser.